Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le 9e jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui ça va être très rapide, ça va être vraiment ouverture des calendriers de l'Avent et du swap avec Vanessa puisque je n'ai pas trop le temps. Donc l'Occitane pour commencer, comme toujours, le numéro 9. J'ai l'impression d'être, au... C'est quoi qu'on dit, au loto, non? Et le numéro complémentaire. Ça va pas. On est vendredi, ce soir c'est le week-end, donc là je sais pas, je pète les... Donc le numéro 9 est là, il est assez gros. C'est un savon. L'idée est bonne du savon, c'est pas pourri, mais c'est savon aux feuilles de verveine. Vous voyez, c'est un savon en plus en forme de feuille et tout. C'est un bon savon, hein, vous voyez, par rapport à ma main, vous pouvez faire un petit moment avec ça. Donc moi ça je pense pas l'utiliser, je pense l'utiliser plutôt pour nettoyer mes pinceaux en fait. Souvent c'est ce que je fais avec les savons parce qu'en fait j'ai un pouce mousse dans ma salle de bain et un savon à côté. Mais logiquement, enfin je verrai, bref on s'en fiche. Voilà, je suis... L'idée est pas mauvaise hein. Mais j'avais senti la dernière fois la crème pour les mains, la verveine et j'avais pas trop aimé. Donc bon, on verra. The Body Shop. J'étais en train de chercher le numéro 8 et je me dis je sais pas où il est, mais non, on est le 9. Donc c'est là comme ça, ça doit être un crayon ou quelque chose comme ça. Malheureusement oui, on avance dans le mois de décembre. Et vu que ça va jusqu'au 24 là le The Body Shop ça va jusqu'au 25. Il y a un numéro 25 quand même. Et c'est un très gros truc. Bref, donc le numéro 9 est comme ça. Et c'est noté pour la déesse qui sommeille en toi. C'est assez... Ça doit même pas être un crayon. J'ai l'impression que j'ai le soleil qui est en train de se coucher là. Enfin, de se coucher, de se cacher parce qu'il se cache, il se couche pas à ces temps-là quand même. Ah ben c'est un goupillon comme ça, enfin un goupillon, c'est un pinceau pour brosser les sourcils, les cils, pourquoi pas. C'est un peu bête, ça aurait pu être pas mal, sauf que moi j'aime bien vraiment les goupillons pour brosser mes sourcils. Donc bon, je m'en servirai sûrement quand même, mais encore une fois, c'est pas vraiment ce que je souhaitais, hein, vous le savez bien. Il y a le reflet du paquet, voilà comme ça se présente. Bon, ça sert toujours, mais encore une fois, c'est pas forcément ce que j'aurais préféré. C'est marqué making sur toute la longueur du... J'ai un mot en entier sur cette boîte. Ensuite, le numéro 9 du lint est juste ici. C'est encore une case un peu en longueur. Et c'est encore un 9. Donc ça j'ai jamais eu, c'est un œuf vert avec, avec le Père Noël dessus. Donc voilà, un petit œuf. Et ensuite le numéro 9 de Vanessa est super lourd. Voilà, c'est une boîte super dure, lourde, je vois pas ce que ça peut être du tout. Pour faire le plein de conseils beauté, entre parenthèses 9. Ah bah ça doit être un livre. Ouais, ça doit être un livre. J'aurais jamais pensé à ça, mais c'est super lourd. Quand je vois à quel point le paquet est lourd, ça m'étonne pas pourquoi le colis faisait plus de 5 kg, je crois. Ah, c'est trop marrant. Un conseil de beauté par jour. C'est trop marrant les trucs comme ça, j'aime bien. En l'occurrence, c'est d'actualité puisque je pourrais le commencer à partir du 1er janvier. Donc, vous avez en fait la boîte dans laquelle c'est dedans. Là, ça fait un livre, donc comme ça. Avec un petit rebord, puisque je sais pas pourquoi il y a un rebord, peut-être pour le poser. Ah oui, pour le. J'allais dire pour le poser comme ça, enfin je sais pas. Donc voilà, vous voyez l'épaisseur. 1er janvier, le secret des lèvres pulpeuses. Bon, je vais pas me spoiler, mais voilà, en gros, vous voyez comment c'est présenté. Vous avez la date juste là en bas. Ils disent que le soleil se lève à 8h44 et se couche à 17h04, c'est marrant. Et derrière, en fait, vous avez une phrase. Oh, c'est marrant. Donc voilà, il y a 365 jours. Hein. Et ben, merci beaucoup Vanessa, c'est original, j'aime bien. Et du coup, je m'empresserai de commencer ça le 1er janvier. Je mettrai ça dans ma pièce là-haut, sûrement sur mon bureau ou quoi, vous verrez ça. Donc voilà, pour cette 9e journée de calendrier de l'Avent, je vous retrouve demain. Pour encore une ouverture pour le 10e jour et sûrement une autre
un autre sujet, je dirais, dans la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo.